Vous avez une amie qui est travailleuse du sexe, vous l'emmenez en voiture sur son lieu de travail, vous êtes proxénète. Bonjour NFCA Média, ici Jun Charlot, médiateur en santé à l'association Griselidis. L'association Griselidis est une association de santé communautaire pour les travailleurs et travailleuses du sexe de la rue et du net sur Toulouse. Comme pour un certain nombre de personnes, le travail sexuel représente leur unique source de revenus. Tout d'un coup, ça a été très compliqué, même pour acheter à manger. Donc nous, on a mis en place des permanences physiques chaque semaine pour distribuer des aides financières, puis aussi orienter vers des points de distribution alimentaire. Pour obtenir ces aides, nous, tout simplement, on a mis une cagnotte en ligne, Pau Solidaire Association Griselidis, et l'argent sera directement versé aux personnes pour aider à payer leur loyer et leurs factures. L'État a une position dite abonnée, abolitionniste, c'est-à-dire en faveur de l'abolition de la prostitution, ce qui n'est pas du tout notre cas. Pourquoi ? Bah parce qu'on pense que les politiques abolitionnistes ont des conséquences désastreuses sur les travailleurs et travailleuses du sexe. Concrètement, c'est quoi l'abolitionnisme ? C'est un arsenal juridique qui encadre le travail sexuel, qui est, faut quand même le rappeler, une activité légale, mais qui rend toutes ces conditions d'exercice illégales. Quelques exemples, il y a les lois sur le proxénétisme, donc il y a trois types de proxénétisme. Le proxénétisme de contrainte, ça on est quand même d'accord, c'est le fait de punir toute personne qui contraint une personne à se prostituer. Il y a deux autres types de proxénétisme qui sont moins connus. Donc le proxénétisme hôtelier qui punit tout propriétaire qui loue son bien à un travailleur ou une travailleuse du sexe. Il rend très difficile l'accès au logement. Et il y a aussi le proxénétisme d'aide et de soutien qui condamne toute personne qui apporte son aide, son soutien, qui profite entre guillemets de l'argent de la prostitution. Par exemple, vous avez une amie qui est travailleuse du sexe, vous l'emmenez en voiture sur son lieu de travail. Vous êtes proxénète. Vous êtes travailleuse du sexe et vous voulez payer une personne pour assurer votre sécurité. Vous ne pouvez pas, car cette personne serait alors proxénète. Vous êtes un ensemble, un collectif, un ensemble de travailleurs et travailleuses du sexe et vous voulez travailler ensemble dans un appartement par exemple, tout simplement pour partager les frais et puis parce que vous trouvez ça plus sécurisant de travailler à plusieurs, vous ne pouvez pas car vous seriez proxénètes les unes des autres. Donc ces lois isolent et empêchent toute entraide entre travailleurs et travailleuses du sexe. Un autre exemple, il y a la loi de pénalisation des clients votée et mise en place en 2016. Tout simplement, qui dit pénalisation des clients dit moins de clients parce que les clients ont peur. Donc les clients qui sont moins nombreux ont le pouvoir de négocier les pratiques, le port du préservatif, les tarifs, puisqu'ils sont moins nombreux. Et puis aujourd'hui, pour attirer les clients, en tout cas dans la rue, il faut se cacher de la police pour que les clients n'aient pas peur, donc se cacher des riverains, donc être dans des zones plutôt reculées, isolées. Il faut que le temps de négociation ne dure pas trop longtemps, sinon le client a peur. Donc tout ça, évidemment, expose beaucoup plus les personnes aux violences et à l'exposition au VIH. Nous, qu'est-ce qu'on réclame aujourd'hui ? Post-confinement, l'urgence, c'est vraiment la question des loyers. Face à ces politiques abolitionnistes, tout simplement, on demande la décriminalisation, c'est-à-dire l'abrogation des lois spécifiques au travail sexuel. Si on abroge ces lois, eh bien, les personnes pourront avoir accès aux droits communs, le chômage, la retraite, le salariat, la couverture maladie. Et puis aussi, on demande l'ouverture des frontières et la régularisation des personnes sans papier. Légalement en France et avoir des papiers et avoir des droits en France, évidemment qu'elles ne seront plus soumises à l'exploitation. Merci à vous et au revoir NFCA Média.